Aujourd'hui, je retrouve l'Orchestre Philharmonique du Maroc pour un programme absolument gigantesque. On va jouer cette immense œuvre de Berlioz qui s'appelle La Symphonie Fantastique. C'est une œuvre très incroyable avec 5 mouvements, avec beaucoup de musiciens, beaucoup de percussions, beaucoup de timbales, beaucoup de cuivres. Et ça raconte l'errance d'un compositeur amoureux d'une jeune femme belle. Et puis il va arriver plein d'histoires. C'est toujours très difficile à monter cette musique parce qu'on part de rien. C'est comme une musique intimiste au début. Après, il y a des apparitions, il y a une grande scène de bal, puis il y a une promenade un peu comme un tableau dans la nature. Et puis tout à coup arrivent des démons, et arrive le compositeur qui raconte sa vie et qui va rêver qu'il a tué la jeune fille et qui va être guillotiné. Ça se passe en 1830, alors il y a la tête qui tombe un moment, et puis après il y a ce grand final où il est happé par l'enfer et le tuba mirum. C'est absolument incroyable, ça ne fait que monter. C'est de dire les choses sans mots, à la différence de l'opéra.